au début du Moyen-Âge, la France n'existe pas. C'est Clovis qui crée le royaume des Francs, qui devient progressivement le royaume de France avec des dynasties comme les Mérovingiens, les Carolingiens ou encore les Capétiens. Avec Saint-Louis au XIIIe siècle, la France est à son apogée en Europe, mais la guerre de Cent Ans la plonge dans l'abîme. C'est Louis XIV, le roi soleil, qui porte le principe monarchique à son apogée. Par les armes et les arts, il élève la France au premier rang en Europe. Versailles donne le ton, le français est la langue diplomatique.